Attends, je leur demande une petite pêche d'américain quand même. Ouais. Un truc, hein. D'écrire septembre. Les cendres éparpillées sur le chemin se rendre à l'évidence du dessin. Ensemble, trahissons la rupture. Septembre ne nous mènera à rien. Étrangle une nouvelle fois demain. Éponge les radicaux. Lui résonne déjà. La craie vient de réveiller les dernières saveurs du coma. Gloire au mirage authentique, mort aux soldats du maintien. Oh.
gars dans le cartable. Le poids du vide la sert mieux. Bethesda inépitoyable. Septembre me sort par les yeux. Septembre me sort par les yeux. Sur le chemin, se rendre à l'évidence du dessin. Ensemble, dressons la rupture. Septembre ne nous mènera à rien. Et tremble une nouvelle fois demain. Et plonge les rails du quotidien. Ensemble, dressons la rupture. Septembre ne nous mènera à rien. Bon, je disais à mon ami Till qu'il faut surtout pas dire à ma mère que je suis là un dimanche 13 novembre à faire un concert à Paris. Ah d'accord, et bien, ça reste entre vous et nous, hein. Bouduc, elle va être très très mécontente. Voilà, eh bien, je ne saurais, oui, santé déjà premièrement, je ne saurais trouver les mots pour vous remercier, à quel point c'est très très cool et très important d'être là un dimanche soir. Voilà. Merci beaucoup, c'est très très important. Merci beaucoup, on peut s'applaudir puis s'auto-piper, comme on dirait mon papa. Voilà, ben, c'est peut-être le moment de faire une grosse chanson de loser. Ouais. Voilà, je m'inquiète un petit peu, je vois pas la section cuivre de Garage Lopez. Ah, ben, c'est bon, ben, les gars, mettez-vous, putain. Alors, voilà, c'est prévu depuis longue date, hein. Mesdames et messieurs, Jean-Luc, Bruno et Henri qui vont faire la section cuivre devant au premier rang, bien entendu. On les applaudit bien fort. Je vais pas parler de ma mère tout le temps, mais bon, j'ai dit à ma mère, moi, tu sais, maman, quand je serai plus grand, j'aimerais bien être Garage Lopez. On attend que notre pote là, qui nous sauve la vie. Alors, non, la partie de pétanque qu'on a jouée, non, ça là, on n'en parle plus. Parce qu'on a quand même une réputation de sudiste gros bof à... Et puis là, on avait bien perdu. Oui, on avait perdu à la pétanque contre Garage Lopez. Oui, Paris a humilié les Toulousains à la pétanque. On a juste un souci de grosse caisse, hein, comme d'habitude. Mato, lui, il a des soucis de grosse caisse tous les soirs. C'est pas un souci, hein. Non, effectivement, nous ne sommes pas un vrai groupe américain, c'est toujours Charlie Fiasco au Castel Gineste. J'ai vu partir au loin le plus cool des convois, une muselière en fer, et retiens ma faim. J'enrhumine à vomir et bavé tous mes doutes. Mon pire souvenir concert est un bol de soupe. Quand je tourne pas, je tourne en rond. Oh, 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 oh. Quand je tourne pas, je tourne en rond. Oh, 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 oh. Si s'achève la route, mon pire souvenir concert est un bol de soupe. Quand je tourne pas, je tourne en rond. Quand je tourne pas, je tourne en rond.
peu de frénésie. L'art supplémentaire des marchés qualité. Combiné d'entreprise, j'ai oublié ma vie. Conditionné, hiérarchisé. Faut que la jeunesse trépasse. Y'a pas beaucoup à penser. C'est que la marde. Comme si on n'avait pas compris que le travail est le seul véritable suicide social. Comme si on allait passer nos vies à se saper la morale, à se saper la morale. Sur 7h23, il a du mal à accepter qu'il reste un bon bout de vie devant soi. Et même si tout notre temps libre vaut 5 fois le prix du loyer, on va pas perdre notre existence, on va pas la perdre à la gagner. Comme si on n'avait pas compris que le travail est le seul véritable suicide social. Si on allait passer nos vies à se saper le moral, à se saper le moral. Comme si on n'avait pas compris que le travail est le seul véritable suicide social. Comme si on allait passer nos vies à se saper le moral, à se saper le moral. Oh ben Dieu. Oh merde. Oh j'ai envie de chialer. Putain on dirait un vrai groupe. Oh merde. Ah ben je vais boire un petit peu de boisson à caractère houblonné. Hier, on a joué à Nantes pour les bénévoles du Hellfest. Et il y avait une scène immense. Et bien, j'avais une, sans déconner, j'avais une chocotte. Je pense que j'avais l'impression de repasser le bac. Et ouais, et encore une fois de tomber sur Victor Hugo, les châtiments, que effectivement, t'as fait l'impasse. Comment ? Non, rien. Parle de ta progéniture. Non, c'est vrai, ouais, je crois. Bon, fait voilà, mais on est hyper contents. Hein. Franchement, c'est hyper cool. Merci beaucoup. Le prochain morceau, il est extrait de notre nouvel album. Ça parle de mon papa et des gens qu'il y a autour de lui, parce que mon papa, il arrive à une soixantaine passée. Et puis, tous ses potes, en fait, ils sont en train de décéder. Méga fun! Pourquoi ils décèdent? Parce qu'ils sont morts. Du coup, emportés par la vie, quoi. Ça fout le méga seum. C'est la mort de vieillir. Ça s'appelle la diagonale du vide. Surface. Ou alors je tremble, ou à réunir les stigmates, ou à décompter les chemins qui ouvriront la voie. Perdu dans la diagonale du vide, perdu dans la diagonale, en guettant la belle affaire, retrouvé seul sur le rivage, regardant partir ses frères, le dernier membre de l'équipage. Il ne pliera que la toute dernière minute. Ouais, s'il le faut, emportera les regrets dans sa chute.
cacolade du vide. Perdu dans la magnifique, hein. J'ai eu des frissons à un moment donné, bon. Je peux plus contrôler mes émotions. Allez, ben, il nous reste quelques chansons avant de se quitter. Mesdames et messieurs, c'est pour tous les gens qui ont du mal à conjuguer leur vie au pluriel. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, ben, la roue, elle tourne. Et puis, elle tourne souvent dans le bon sens. C'est pour tous les chagrins d'amour tout pourris qu'on a eu pendant nos vieilles années, tout pourris de merde. C'est pour tous mes copains, j'ai pas à les citer, ils se reconnaîtront. Ça s'appelle Ma vie au pluriel.
sa vie au pluriel. Sa vie au pluriel. On n'y arrivera jamais ensemble. Je collectionne le stigmate, les stéréotypes conjugales. En attendant le dernier chapitre, ultime changement radical. Enfin, j'ai bel et bien tourné le livre planqué sur l'étagère. L'histoire s'est mal terminée, l'arrière-goût est trop bas. Se mettre à nu sur une feuille blanche, courir toute relation duelle, puis se rendre à l'évidence. Mais en bas, nous sommes bel et bien condamnés à dormir dans la diagonale. Dans la diagonale. Jamais ensemble, on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais ensemble, on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais ensemble, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Ah, c'est Six Five Fest. Allez faire des petits bisous à la boule. Retournez-moi le dernier. Dépêchez-vous, ça va pas du voilà, faites à la saucisse, plus rien à foutre, non, plus aucun ego. Vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé outre-Atlantique, nos amis américains. On parle beaucoup des Américains, ça. Ah, ils se sont bien régalés dans les bureaux de vote avec leur système faussement démocratique. Sachez que le nôtre est vraiment pas trop... pas trop mal, c'est pas ce que je veux dire.
Ouais, mais en fait, c'est ce qu'on disait. Ouais, pardon, mais j'ai raté. C'est bon, on peut pas être toujours démago tout le temps. Des fois, il faut que je me trompe. Mais on a pris quand même le train en première classe. Et dès qu'on est monté dans le train en première classe, on se dit, putain, finalement, Alain Juppé, il est pas si mal. Hein. On s'habitue à avoir du pognon. On a du pognon ? Non, non, j'ai fait un dossier avec l'assistance sociale parce que je peux pas payer ma taxe d'habitation. Tout le monde s'embrasse, ça s'appelle sans fleurs, ni couronne, sans tambour, ni trompette. À notre douce république ! Sans fleurs, ni couronne, sans tambour, ni trompette. Pour les œufs.
une fin un petit peu émo. À la Thursday du début des années 2000. Merci beaucoup. Du fond du cœur, il reste 3 chansons. Merci d'avoir répondu présent sur ces 3 jours de festival. Merci à tous les bénévoles de l'organisation de This Is My Fest. Il y a beaucoup trop de prénoms, plutôt que de pas de en oublier, je vais pas tous les dire, mais merci beaucoup. Vraiment du fond du cœur, vous savez qui vous êtes. C'est toujours trop cool de venir ici à Paris, la capitale de la France. Le prochain morceau, il est d'obédience antifasciste. Ça s'intitule « Les chiens de la classe ». C'est pour tous les gens qui ont un jour pensé que Dieudonné et Alain Soral étaient des vrais révolutionnaires anti-système. Les chiens de la classe. Emiliano Zapata.
Je vois la section cuivre est hyper bien. Merci Garage Lopez. C'était en mi mineur. Ah, je vous présente deux copains à moi que vous ne connaissez certainement pas. Fabien et Thiel. Aïe, aïe, aïe. On n'a pas trop révisé. Si tu pleures, je pleure. J'en ai rien à foutre des gens. Si tu pleures, je pleure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était Charlie Fiasco, This is my fest. Merci mille fois, du fond du cœur. Merci beaucoup.